Je sens que ça va piquer là. Tu m'as dit que tu prenais pas souvent des douches. Petit message important, vous avez peut-être assisté à une fin d'amitié, Amitias Terminadas. Voilà, bonne vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis avec Juju et Bastos. Et bonjour la vie. Salut. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été ensemble dans une vidéo et aujourd'hui justement, pour fêter nos retrouvailles en vidéo. Dans la bonne humeur et dans l'esprit, la joie. On va faire un concept que je n'ai jamais venu par. Écoutez, je vais peut-être inventer. Je vous préviens, il y a peut-être des amitiés qui vont se défaire dans cette vidéo. Le concept est simple, nous allons nous affronter en duel de clash, de petites moqueries. Le premier qui rigole a perdu et donne sa place à celui qui attend. Et n'oubliez pas, tous les coups seront perdus. Donc je vous préviens, le moindre rire... Toi ça va, je te dérange pas. Tu fais ses emails et tout. Ah oui. Alors, c'est quoi la limite? La limite, si on fait ça, ça compte. Ça va être des duels et la troisième personne qui ne sera pas en duel, en revanche, a le droit de rigoler. Elle a le droit de déstabiliser. Mais sinon, la personne qui dit le clash peut aussi perdre. Tu vois, elle peut aussi rigoler à sa propre... C'est pas compliqué. C'est un petit peu compliqué. Écoutez, vous allez comprendre. Premier duel, on vient... N'hésitez pas à nous clasher dans les commentaires. Ouais, n'hésitez pas à nous clasher dans les commentaires. Super, cette vidéo, elle va être top ambiance. On va tous se tirer dessus, c'est génial. Je propose un Shifumi collectif. Vous êtes prêts pour qui commence? 1, 2, 3. En fait, alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je rigole déjà. Parce que le mec m'appelle ce matin, il me dit frérot, alors on va faire un truc, on va se clasher. Je lui dis frérot putain, j'ai pas le temps aujourd'hui, me fais pas réfléchir à des clashs et tout, j'ai pas le temps de préparer des notes. Il me dit t'inquiète, moi j'ai rien préparé, j'y vais au fini. Je suis arrivé encore chez lui il y a 5 minutes, il m'a dit j'ai rien préparé. Il ouvre ses notes, il a la tome 3 d'Harry Potter, il a prévu toutes les blagues. Ce matin j'ai bu du jus de pamplemousse. Il était moins orange que toi. C'est rose le jus de pamplemousse. Il t'a un peu orange là. C'est l'orange qui est orange, c'est le jus de pamplemousse. Pamplemousse, ça faisait rire pamplemousse. Donc j'ai perdu. T'as perdu, tu switch. Okay. Ça t'a fait quoi à notre mariage de finalement réussir à pécho? Et je remarque que vous êtes tous des gros mythos parce que lui tout à l'heure aussi, ah il ouais, était sur son oui. téléphone, il disait moi j'ai bien l'impro les gars. Ah bah ça tombe bien. L'autre jour j'étais au resto italien. Attends, ce que tu... Attends, l'autre jour j'étais au resto italien et j'ai pensé à toi et ton ex parce qu'en fait j'étais en train de manger des spaghettis, il en restait deux dans mon assiette, du coup ça me faisait penser à vous, deux grands spaghettis. Ok, ok, ça se retient, ta tenue. Ah oui d'accord, les gars. Ah oui, le gars a préparé. On n'arrête pas de voir dans tes stories les nouveaux tatouages que tu fais, mais tu sais, t'es pas obligé de faire tes cap ou pas cap tout seul, tu peux venir jouer avec nous. Je suis contre deux gros gagnants là. Je ne sais pas si les caches sont mauvais ou si ils sont bons. Et là on a rigolé du coup. Qui a rigolé? Quand? Lui. Non. Il a fait le... Si t'as rigolé, t'as perdu. Bah j'ai dû rigoler mais en me disant que c'était on jouait plus quoi. Pause. Ouais, okay. Est-ce que c'était une pause? Non. Mais c'est pas possible. Le clash de Mélanie. C'était pas vraiment... petit tout pourri. J'étais... Je suis gentil dans mon clash. Tu m'as dit que... Je sens que ça va piquer là. Tu m'as dit que tu prenais pas souvent des douches. C'est un jour sans. J'imagine tellement s'entraîner avant que t'arrives. C'est un jour sans. Je suis qu'une merde. Bastos, je vais pas parler de tes coupes de cheveux. Quoique si, je suis obligé, c'est vraiment de la merde. Putain, qu'est-ce que tu prends? C'est une catastrophe. Le gars il a pris un bug, il a fait le tour quoi. Quand j'imaginais cette vidéo, je savais qu'on allait être de profil. J'ai un peu peur que tu me touches avec ton nez. Oui bon, j'ai des points faibles. Yes.
t'essayes de ressembler à Harry Potter avec ton petit éclair, mais on sait tous que t'as une toute petite baguette magique. C'est pas mal. À toi. Si tu gardes les cheveux courts, c'est pas pour le style, parce que je peux plus les avoir très longs. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Parce qu'il perd ses cheveux. J'ai un peu un début calvitie. Ah merde, c'est triste. Oh, c'est vraiment l'enculé, hein. Ah ouais. J'ai pas du tout envie de rigoler, j'avais juste envie de pleurer. Bon, j'enlève ma casquette juste, parce que tout le monde veut parler de mes cheveux. Je vais les assumer. T'as des beaux cheveux, t'as des beaux cheveux. Voilà. Bah, je pense que tout le monde a vu en ce moment sur Instagram, je fais énormément de collaborations avec Puma. Vraiment, ils t'envoient une paire de chaussures toutes les semaines. J'en viens de te demander si c'est vraiment parce qu'ils veulent être sûrs que tu sois chaussé tout le temps et qu'on voit jamais tes pieds dégueulasses. Il n'a pas rigolé, il n'a pas rigolé. À toi, Bastos. Est-ce qu'il me reste encore quelque chose pour Juju? Moi, j'en ai un, si tu veux. Non, on sait que t'as du matos. On sait que t'as du matos, que ça fait 2 jours que tu te prépares, mais on vient d'arriver. T'es prêt? Ouais. Enfin, il va me sortir un truc. Ton grand-père est mort parce que. Ok. Moi, je suis arrivé chez lui, j'ai dit j'arrive pas à vous lâcher, je vous aime trop. Lui, pendant ce temps-là. Va falloir qu'on parle d'un truc, frérot. Pourquoi, quand tu viens de rencontrer une fille, 3 jours après, t'encadres sa photo chez toi? Pardon. Adieu le monde, adieu YouTube. Raconte la petite histoire. La petite histoire. Il a rencontré une fille un jour. Ouais, une fille dans un pays étranger. Et il y a eu un petit coup de foudre. Ouais, franchement, la fille était trop belle. J'ai un petit date, j'avais trop kiffé. On parlait tout le temps, mais bon, il s'était vu une fois quoi. Je raconte l'histoire. Vas-y, ouais. Raconte-leur, mais je la raconte. Tu veux partir? Il a pris une photo avec elle là-bas. Je vais chez lui. Je vois la photo qu'ils ont pris ensemble encadrée chez lui. Les amis, je suis romantique. Elle était censée venir à Paris, je voulais lui faire la surprise d'avoir un cadre avec elle dedans. Bah, elle est jamais revenue, j'ai jamais revu. C'est vrai ça que. Ouais, elle est jamais revenue. Non, non, non. Ah putain. Tu lui as envoyé quand même. Elle est au courant. Ouais, d'accord. Peut-être c'est pour ça qu'elle est pas venue. Tu te rappelles de ce jour où une fille est venue pour toi? Et elle est repartie avec moi? Non, pour la petite histoire, c'était un jour lointain. Bastos avait ramené voilà, un date Tinder. Et puis il s'avérait que j'avais plus d'atomes crochus avec moi. Ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bastos. Oui. Bastos, Bastos, Bastos. J'aime beaucoup ton style, surtout les colliers à perles. Si tu pouvais éviter d'en lâcher dans la pièce des perles, ça pique un peu. Ça compte ou pas? Ça compte, ça compte. On a le droit, ça compte. Ça compte. Tu te rappelles l'année dernière quand t'arrivais pas trop bien à séduire et que t'as décidé de lire un livre sur la séduction? Ah ouais, c'est dur ça. Sans aucune, parce que j'ai pas du tout eu pour ça. Non, c'est parce que ça aide dans les relations sociales. Bien sûr. Hippo. Allez. Bon, celui-là, c'est le plus gros clash. Hein. Normalement, celui-là, là, je vais avoir mon cœur blessé. Vas-y. Ouais. Maintenant que t'as de l'argent, pourquoi tu mets tous les jours le même pull? C'est vrai, en plus. C'est vrai. J'étais trop content. Il a ramené son pull. Les amis, ce pull, on n'en peut plus. On peut plus le voir. Le pull, si vous voulez gagner dans les commentaires, les amis. Jamais je vais le non. Le meilleur clash gagne ce pull dans les commentaires. C'est mort. Écoutez, ça nous a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir, Juju. Ah, c'était vraiment super. Je repars chez moi avec plein de bonnes ondes. J'espère que le nouveau concept vous a plu. Alors, c'est clashé, mais on s'adore. N'oubliez pas, abonnez-vous à tous nos Instagram. Ah oui, Bastos, tu es bientôt à 100 000 abonnés sur YouTube. Donc, il est temps de faire passer Bastos à 100 000 abonnés. Et maintenant, je sors aujourd'hui Instagram contrôle ma vie. Hardcore. Hardcore. Allez, le voir, il dort par terre, il dort dans des baignoires, il mange des trucs de fou, allez voir ça. Juju, quelle est ton actualité? Bah là, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, j'ouvre ma première soirée à Paris, j'ai 1500 m² en plein air, ça s'appelle la Kermesse, c'est maintenant, je suis en train de mixer. Pendant que... Hein? I remember the words that you said. Bref,
On fait la fête tous ensemble, c'est ma première soirée. C'est en ce moment même, donc si jamais vous êtes sur Paris, courez parce qu'on est tous à la défense en ce moment. Ça s'appelle la kermesse. C'est le moment de se rendre à la kermesse à toute vitesse. Merci. Wouh, voilà. J'ai déjà dans le thème. Mettez plein de pouces bleus si ça vous a plu, si vous voulez que ça revienne. Et puis n'oubliez pas, c'est très grave. Yeah.